C'est un artiste hors norme. Il est né sans bras, mais il fait du vélo, il joue au football et il est même entraîneur. Il fait beaucoup de choses, pourtant il est né différent. Il est né sans certains membres du corps, mais cela ne l'empêche pas d'accomplir ses rêves. Il vient d'une famille très pauvre, de 9 enfants dont il est le 8e. Il n'a jamais réalisé qu'il était handicapé jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans. Il était au primaire et il s'est rendu compte que certaines parties de son corps étaient différentes de celles des autres. Au début, il ne s'y est pas attardé. Il était encore jeune et il ne s'en souciait pas du tout. Il était le seul à ne pas pouvoir tenir un stylo et écrire. Il avait bien évidemment un problème. D'autres camarades de la classe venaient toujours lui poser quelques questions. Certains se souciaient et ressentaient de l'empathie pour lui. Il n'était qu'un petit garçon à cette époque-là. Mais d'autres ne s'en souciaient pas et ils passaient leur temps à se moquer de lui. Il a commencé à s'en vouloir. Pourquoi il est né comme ça? Il a passé beaucoup de temps à pleurer et il était déprimé. Il avait des frères et sœurs qui l'encourageaient et le soutenaient. Son histoire lui a fait développer un sentiment de confiance en soi. Sa mère lui a dit qu'il peut être ce qu'il veut dans la vie et lui a rappelé que le handicap n'est pas une incapacité. Il a étudié et a terminé ses études secondaires avec une mention très bien au bac. Il a voulu commencer à travailler, mais le handicap était un obstacle. Chaque fois qu'il déposait ses dossiers dans une quelconque entreprise, on lui refusait le poste à cause de son handicap. Il a pensé à une idée de petite entreprise de vente des fruits, comme des oranges, des bananes, des ananas, des fruits de passion, etc. Il allait dans les villages voisins et achetait des fruits à des prix bas, puis revenait les vendre en ville à des prix un peu plus élevés, afin de faire du profit. Cette occupation le rendait heureux. Il en faisait du profit et il était désormais indépendant. Il était alors connu pour ses fruits dans les villages. Les gens ont commencé à l'appeler sous différents noms, comme par exemple l'homme aux fruits. Mais hélas, au bout d'un certain temps, sa petite entreprise s'est effondrée. Il n'arrivait plus à faire écouler sa marchandise. Les fruits étant fragiles et s'il n'y a pas de marché, on ne peut les garder longtemps. Ils commencèrent à pourrir et pour quelqu'un qui n'avait pas de réfrigérateur, c'était une perte. Il a commencé à perdre espoir. Il avait investi toute son énergie dans la vente des fruits, mais cela ne fonctionnait plus. Il a pris le temps, s'est assis, pensant à son avenir, se demandant ce qu'il allait faire d'autre. Il a pensé à beaucoup d'activités, mais il avait bien évidemment quelques activités auxquelles il ne pouvait pas du tout penser, à cause de son handicap. Il avait presque perdu espoir, mais c'est alors qu'il s'est souvenu de quelque chose qui allait façonner le reste de sa vie. Il s'est rappelé qu'il dessinait à son jeune âge. Peut-être qu'il avait sous-estimé ses talents. Il s'est alors mis à dessiner des portraits, en commençant bien sûr par le sien, afin de savoir s'il savait bien le faire correctement et pour savoir si les gens l'aimeraient. Il a utilisé les réseaux sociaux pour obtenir un public plus large et ainsi écouler ses œuvres, ce qui s'est avéré être une très bonne idée. Il a reçu beaucoup de commentaires des personnes appréciant son travail et depuis lors, c'est ce qu'il fait dans sa vie. Il aimerait rejoindre une institution qui peut lui apprendre beaucoup plus de choses pour parfaire sa passion. Il sait que tôt ou tard, il gagnera beaucoup. Mais le problème reste le marché après avoir fini les portraits. Beaucoup de gens autour de son village ne sont pas habitués à acheter des œuvres artistiques. Il fait toutes sortes d'activités. Il fait du sport malgré l'état de son corps. Il joue au football et il est même entraîneur. Il entraîne une équipe senior de son village. Depuis son enfance, il rêvait de devenir un footballeur professionnel. Mais son handicap posait un problème.
Il est un fan inconditionnel de Manchester United et de Manchester City. Il a un message pour les personnes handicapées qui ont peur de sortir et de travailler. Il dit qu'il avait la même peur, mais qu'il a appris à surmonter ses peurs, leur rappelant ainsi que l'handicap n'est pas une incapacité. Aussi, il condamne les personnes qui intimident et manquent de respect aux personnes handicapées. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine.